Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Horror Brawl, qui est un espèce de jeu, on va dire, dans une thématique de jeu d'horreur, mais en mode Battle Royale. En gros, bah, c'est un Battle Royale, hein, vous connaissez le principe, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Le but, c'est de faire top 1, sauf que là, il y a des espèces d'ennemis dans un mode d'horreur où on peut se faire chasser. Du coup, on est contre des joueurs. En même temps, on peut se faire chasser par... vous voyez, derrière moi, il y a une espèce de sorcière et tout. Mais voilà, donc, je vous présente pas les menus parce qu'en gros, les menus, c'est à peu près classique à tous les Battle Royale et à tous les jeux mobiles comme ça. Sauf qu'il y a un système d'XP pour les personnages parce que bah, du coup, on peut jouer un des enfants ou alors on peut jouer bah, la méchante que malheureusement, je n'ai pas débloqué. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour la débloquer. Mais du coup, vite fait, il y a un système d'amélioration des personnages, il y a un système de skin, il y a un système de tout ça. Lui, du coup, je peux l'améliorer. Donc, je vais gagner en santé, je vais gagner en dégâts à distance. Incroyable. Et du coup, il est passé niveau 4. Ok, d'accord. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que sur un Battle Royale, avoir des persos qu'on peut améliorer, je trouve ça moyen, parce que du coup, ça veut dire potentiellement du gros pay to win, sa mère. Et voilà. Donc, après, bah, il y a des espèces d'émoticônes, il y a des skins pour à peu près tout ce que vous voulez et tout ce que vous pouvez avoir envie. Donc, on va se lancer une game. On va y aller en solo. Normalement, ça se trouve assez rapidement. Le seul truc qui est chiant, je vous le dis direct, j'ai fait 2-3 games avant, c'est que là, dans le lobby, bah, là, du coup, c'est des games à 16. Regardez, les gens spamment les émotes. Et en fait, les émotes font du bruit. Bon, là, ça va, ils sont plutôt calmes. Mais j'ai fait 2-3 lobbies avant et les gens spammaient les émotes et vous entendez... C'est ultra chiant. Je fais très mal en plus les bruitages. Je suis vraiment pas doué pour ça. Mais les gens spammaient, ça m'a cassé les oreilles. Et je t'envoie, vas-y, lance la game. Lance la game, je t'en supplie. Donc voilà. En plus de ça, ça vient de sortir du coup sur iOS, sur Android. Normalement, il y a du monde. Parce que bah, comme tous les jeux qui sortent, il y a plein de gens qui le téléchargent, etc. au début. Et ça se lance assez rapidement. Vous allez voir, les parties sont relativement rapides. En gros, on est dans une map où il y a une espèce d'école et il y a un cimetière un peu autour. Et du coup, bah, on a des coffres à looter. Des coffres à looter, si on en a déjà un là. On va le loot. Et on récupère une pomme, on récupère un fusil à pompe. On va récupérer la mitraillette là. Par contre, je suis en train de voir que le son du lobby est beaucoup plus fort que le son in-game. Tiens, il y a un frérot là-bas. On va essayer de l'avoir tranquillou. Viens ici, s'il te plaît. Alors, c'est pas des bots. Enfin, ou alors c'est peut-être des bots lesquels... Arrête de tirer. C'est peut-être des bots les quelques premières games. Mais... Attends, deux secondes. Attendez, deux secondes. Je suis concentré là, ok. Le but, c'est de faire top 1 dans la vidéo. Je vais pas passer pour un mec. On a tué Power Gamer. Bah, Power Gamer qui pue la merde, visiblement. Hop, on va ouvrir, on va fermer derrière nous. On va récupérer ça. Hop. Et après, je pourrais vous montrer les menus si vous voulez. Non. Être riche. Ok, pas mal. 11ème, c'est pas mal. Oh non, mais c'est pay to skin, regardez. Elle a une espèce de grosse batte et tout. Moi, j'ai pas ça. Grosse pay to skin. Ça, non, mais je me suis fait. Vas-y, on va skip, on va skip, on va skip. Je me suis fait avoir par un pay to win. Non, non, c'est pas cool, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. On relance directement. S'il vous plaît, ne spammez pas les émotes dans le lobby. Ça va, le lobby était rapide. En vrai, le lobby était rapide. Mais voilà, en gros, je trouve ça sympa parce que les parties sont relativement rapides. Même quand vous faites top 1, parce que j'ai fait un top 1 tout à l'heure, il y a un espèce de vortex qui apparaît à la fin. Et ça vous téléporte, je sais pas où, mais vous avez gagné, en gros, tout simplement. Mais voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les parties sont relativement rapides. Du coup, bah, le format mobile est bien adapté. On n'est pas sur les autres Battle Royale où les parties durent 20-30 minutes et c'est ultra chiant. Mais voilà, donc c'est assez rapide. Le mode est plutôt fun en vrai. Ah ouais, je sais pas s'il y a d'autres modes de jeu, s'il y a d'autres terrains. Ça, je dirais que je suis pas allé trop loin. Oh non, le lance-pierre il pue la merde, je crois. Je dis je crois, hein, mais j'ai fait deux games, genre. Bon, attendez. On va faire ça. On va ramasser les balles. Par contre, c'est horrible. Le son est giga fort dans le lobby, mais in-game, il est extrêmement faible. Est-ce que je peux pas. Hop, hop. Musique, son d'ambiance. Ah, c'est peut-être son d'ambiance qu'il faut que je dégage. Attends, je me fais tirer dessus? Ouais, c'est trop ça. Attendez, on se heal. Je suis dans les menus, je me fais tirer dessus. Aucune dignité. Du coup, faut que je... Attendez. Là, en fait, le problème, c'est que sur un Battle Royale, quand le son, il est pas bon, il y a rien qui va. Je vais augmenter le son de façon drastique. Hop, on va prendre le fusil à pompe. Attendez, mais c'est pas de là d'où je viens? J'entends des bruits de pas. Il y a quelqu'un qui est pas trop loin. Il y a de l'XP? Comment ça, il y a de l'XP?
Ah, quelqu'un qui a ouvert la porte, c'est au-dessus de nous ça. Petit. Ça se bagarre au-dessus de nous. Ça se bagarre au-dessus de nous. Il y a des bruits de pas qui sont juste à côté. Attendez, ça vient de la grande salle. Je suis le pire joueur. En fait, c'est. Le pire joueur, c'est moi. Voilà, toi, t'es mort. Mais du coup, tu tirais sur quelqu'un, en fait. Est-ce que je peux aller looter sinon? Oh non, il y a un autre man ici? Je me tire. Non, mais j'ai pas le temps de me tirer! C'est trop. Écoutez, jeu à crash. Très bon jeu. Très bon jeu. Ça crash comme ça. Génial. Non, mais je pense que le personnage est mauvais. Vous savez quoi? On va changer de personnage. On va essayer. Bah tiens, je me suis fait tuer par lui. Du coup, on va essayer lui. Mais je pense vraiment que c'était un bug du jeu. D'ailleurs, vous avez vu, hein, le jeu a crash juste après ma mort. J'ai enlevé la musique d'ambiance, on est d'accord? Pourquoi elle y est? Y'a rien qui marche dans le jeu. Attends, on a perdu des joueurs? 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 16. Ok, début de la partie, 3, 2, 1. Go. Ok, ce jeu est bizarre. Ce jeu est très bizarre. Est-ce que ça lance vite ou pas? Je sais pas pourquoi il y a des moments où ça lance vite, d'autres moments où ça lance pas vite. Peut-être c'est le jeu, peut-être c'est les serveurs. Peut-être ça n'a rien à voir. Peut-être c'est ma connexion internet. Peut-être que le jeu va recrash. On ne sait pas. Enfin, ça a trouvé. Let's go. Trois plombs pour trouver une game. Par contre, j'ai atterri où? J'ai atterri dans des chiottes. Incroyable. Ma vie est naze. J'ai atterri dans des chiottes. Ah non, mitrailleuse. Trop bien. Trop bien, on prend. Il n'y a rien. Il y a un coffre. Rentre, s'il te plaît. On fait vite. On loot. Vous avez collecté le lance-pierre. Putain, mais c'est la pire arme du jeu, le lance-pierre. Dégage. Ceci dit. C'était un lance-pierre épique, donc il y a peut-être moyen de faire des dégâts. D'ailleurs, c'est pareil, on ramasse des cailloux. Je sais pas à quoi les cailloux servent. Kion est dans le dortoir. Un peu glauque le dortoir quand même. Il y a des munes, on va tout ramasser parce que j'aimerais bien trouver un pompe vu qu'on est à l'intérieur. Attends, mais je peux me cacher dans le placard? Ah ouais, trop bien, je savais pas. Trop bien. Bon après le but en fait c'est de tuer tout le monde ou alors de sortir. Non mais il y a encore un lance-pierre. Dégage. Le but c'est quand même de tuer tout le monde et de sortir parce que le vortex il est dehors. 2 secondes. Bon, là, c'était un kill qui était plutôt, plutôt facile. Hein. Par contre, j'ai pas rêvé, j'ai vu un man de l'autre côté, non? Ok, il y a un mec là-bas. Attendez, on va aller loot parce que peut-être que s'il y a un pompe, ça peut m'arranger. Trop bien, il y a encore mieux qu'un pompe. Mitrailleuse en bleu. Pas mal. Par contre, je sais pas du tout par où il a pu passer, le gars. Bah, il est là. Mais ouais, mais tire, attends, mais pourquoi il y a des moments, peut-être il recharge, mais j'ai pas la notif qu'on peut y recharge. Ah, faut que je me débarrasse d'un truc. On va enlever ça, je vais prendre le fusil de chasse. Ok, ça c'est pas les chiottes dans lesquelles je suis allé, du coup, il y a quelqu'un d'autre qui est venu ici. Très bizarre. Okay, là, la grande salle, on va éviter. Ça pue la mort, la grande salle. Attends, mais c'est là où je suis passé, je suis con. Bon, il n'y a pas de bruit de pas hormis les miens. Pour le moment, ceci dit. Ok, ça a déjà été loot, apparemment. Ah bah non, il y a des balles. Ah, il y a eu un gros boom. Ouais, je sais quoi, ça. Ok. Evil Nun est apparu. Quoi? Comment ça Evil Nun est apparu? Attendez, j'ai jamais eu cette notification. Elle apparaît où? Enfin, oui, je sais, elle apparaît dans le jeu, je me doute. Mais où? On peut pas avoir un indice? Je peux sauter là ou pas? Ah, je peux pas sauter. Dommage.
Le portail s'ouvrira dans une minute 28. Ok. Bah, je pense qu'on va se diriger vers le portail, hein. Et le portail est là-bas, ok. Ceci dit, on a en hauteur, on est bien, ouais. Je m'y connais dans les battle royale, j'en ai fait beaucoup. Attends, on va se mettre comme ça. On va avancer en mode poussy. Oula, c'est quoi ça? J'en ai rien à faire, moi je tue les ennemis en fait. Voilà, et après je m'occupe de Level None. Attends, mais ça c'est trop fort, ça one shot en fait. Comment on le débloque? J'aurais pu faire top 1. En fait, voilà, bah ça c'est le vortex. Et là, du coup, bah elle a gagné. Ah, je suis dégoûté. Voulez-vous sortir? Ouais, vas-y. Ah ouais, mais c'est trop fort en fait. Ça one shot. Attends, vas-y, sortir. Sortir, sortir. Là, je suis dégoûté. D'ailleurs, on voit quoi sur le profil? Partie jouée, victoire totale. Victoire totale, zéro! C'est du mensonge. Non, c'est du mensonge. Attendez, je peux l'améliorer. C'est du mensonge. J'ai déjà fait un top 1. Je peux l'améliorer une deuxième fois, c'est trop bien. Lui aussi, je peux l'améliorer. Qu'est-ce que je gagne? Absolument rien. Ah, je crois que j'ai gagné une compétence. Attendez, du coup, il y a Rebecca. C'est quoi? On va essayer Rebecca, vas-y, jouer. On va essayer Rebecca. Carte, école, Eagle Junior. Donc ouais, je pense qu'il y a d'autres cartes. Je sais pas comment on y accède. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas. Excusez-moi, on peut mute les émotes ou pas? Non, on peut pas. Faudra que je regarde dans les menus. Vas-y, attendez, tout le monde quitte. Je vais regarder dans les menus. Musique, jeu SFX, menu SFX. Ah, par contre, je peux couper la musique? Oh, let's go, vas-y, j'ai coupé la musique. Est-ce que quand tu coupes la musique, ça coupe le. Ça coupe pas le son des émotes. Ok, d'accord. Bon, vas-y, on va se tester elle. Et non, faut qu'on fasse un top 1, vraiment. Faut qu'on fasse un top 1 parce que là, pas de top 1, ça craint en vrai. Ça craint, ça craint. Chargement du jeu. Vas-y, s'il te plaît, trouve une game. Fais-nous rêver. Mais une game avec des gens nazes, des gens qui viennent d'installer le jeu en fait. Juste des gens, même ils ont même pas installé le jeu, c'est pas grave. Même des bots. Des bots mais qui visent à côté. Parce qu'il y a des bots, des fois, ils sont vraiment forts quand même. Hop, j'ai serpent brassuré. Mais voilà. Alors, on ramasse le pistolet à peinture. Eh mais attends, mais j'avais un skin de pistolet à peinture. Pourquoi il m'a mis le basique? Je suis dégoûté. Oh non, on est déjà là. Vas-y, il me faut un fusil à pompe. Je pensais pas qu'on était si proche de ça que d'ici. Si proche de ça que d'ici, mais ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Ok. Hop. J'ai récupéré quoi? Une pomme? Ah non, mais mince, la caméra. Je voulais enlever ça de mon inventaire, merci. Oh, ça se battait. Je crois que ça se battait en dessous. Ou pas d'ailleurs. Attends, c'est ouvert. Mais il doit être en train de se battre dehors en fait. Ouais, ils sont en train de se battre dehors. Ok, toi t'es mort, mais j'ai cru voir quelqu'un d'autre là-bas. Sûrement quelqu'un qui était AFK. Venez, on va tuer quelqu'un qui est AFK. Tu tirais sur qui par contre, Hermano? Oh, le jeu lag. Non! Oh, une balle à mort. Une balle à mort, littéralement. Qu'est-ce que vous allez faire? Personne ne peut me stopper. Tiens, on va tout ramasser. Je suis juste trop fort. Par contre, attendez, le heal. Fermez la porte. Mode poussy. Le heal. Ok, vas-y, re-heal, rebouffe de la pomme, rebouffe une pomme, rebouffe une pomme. Bouffe, bouffe, bouffe. Vas-y, hop, c'est bon. Le petit. Putain, il est bien ce petit revolver là. Incroyable. On va ramasser. Ah, mitrailleuse ou pompe? Mitrailleuse en vrai. Mais non, mais dégage. Mitrailleuse, merci.
Je vais garder ça là, parce que ça me paraît pas mal en vrai. Et on va essayer de bouger, mais faut que je bouge par là où je suis pas allé. Sachant qu'attendez, il reste 3 pélos, mais il y a un mec qui était AFK en face. Il y a un mec qui était AFK là-bas, il est toujours ou pas? Shit, il a bougé. Il a bougé, mais je sais pas où. Attendez, pourquoi le truc de non, il y a écrit 5 sur 4 là-bas? Parce que la nonne, en vrai, j'ai rien pour la tuer en fait. Tout à l'heure, le fusil à pompe, ça l'a pas tué. Je sais pas quoi faire. Je crois qu'il nous reste 30 secondes avant que le truc arrive là. Et après, faut qu'il se déploie et tout. Ça prend 3 ans cette merde. Ok, on va éviter de revenir sur nos pas. Et on va plutôt aller ailleurs. Mais là, je reviens sur mes pas en fait. Je suis con moi. Je suis un imbécile. Là j'ai déjà loot ou pas ici? J'ai pas loot ici. Allez, je reste focus quand même, parce qu'à tout moment il y a quelqu'un qui sort là avec un pompe et qui me tue. Et qui me ruine ma game genre. Non pas que j'ai une game qui soit folle. Ah, il y a eu un mort. On est passé à deux personnes vivantes. Du coup il doit rester moi et lui. Ou elle. Je vérifie qu'il y ait personne dans mon bac. Quoi? Non, quoi ça? Ça a dû juger, reprend mon pistolet légendaire wesh. Ouais, je m'en fous lui. Bon du coup faut que j'aille par là-bas. Pourquoi le truc de non c'est 5 sur 4? Ok, le portail il est en face. Il faudrait que je prenne la hauteur. Attendez. Non, je vais juste voir s'il y a quelqu'un qui marchait. Visiblement non. Il reste combien de temps pour le portail? Attendez, on va reprendre l'escalier. Ok, je crois que ça tire. Ah, le mec il est déjà au portail là-bas, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, j'ai l'avantage psychologique sur lui. Attendez, non, vise bien. Top 1, victoire. Vous avez éliminé, j'ai même pas regardé ton pseudo, j'en ai rien à faire, j'ai fait top 1. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, petit top 1 et tout. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas 100 pélos sur la map. On est quand même pas beaucoup. Attends, mission en cours. Atteignez le top 3 en 10 parties. Ok, vas-y. Donc, en vrai, ce que je trouve bien, c'est qu'on n'est pas à 10 000 par partie. J'en ai rien à faire des récompenses. On n'est pas à 10 000 par partie. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, les games sont relativement rapides. Même si, des fois, ça peut être un petit peu long. Enfin, quand vous arrivez au top 1, évidemment, ça va être un petit peu long. Ça va pas durer 2 minutes la game. Mais voilà. Donc, je vais vous abandonner là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le jeu vous plaît. Plutôt sympa. Pas incroyable, ça casse pas des bouches, mais en vrai ça se laisse jouer, c'est plutôt sympa. Il y a également un Battle Pass que je vous ai pas montré parce que en vrai, on s'en fout un peu. Moi je voulais juste tester le gameplay. Donc il y a un Battle Pass comme d'hab hein, avec des skins, et du coup bah, des pièces pour améliorer ses persos là visiblement. Ça m'a l'air un peu pay to win ce truc d'améliorer ses persos en vrai. Je sais pas si c'est vraiment limité ou pas ou comment ça se passe, mais ça m'a l'air assez... Assez pay to win. Donc à voir. Bref, je vous abandonne là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut, salut. Bye bye.